Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet plutôt important, la planète. En tant que cavalier, on va pas se mentir, on voudrait que la planète soit la plus préservée possible. Et pourtant, quand on regarde de plus près les équipements équestres, crois-moi, on participe largement à l'augmentation du taux de carbone sur la planète. Même en excluant la mélasse et les céréales de la ration de poney. C'est vrai, quand on regarde l'étiquette, le moindre tapis de sel, la moindre couverture, puisque c'est la saison, est fabriqué à l'autre bout du monde. La solution? La vraie? Ne plus acheter de matériel d'équitation, se contenter de l'essentiel et éviter la surconsommation. Ouais. Je crois que je dis ça à chaque vidéo dans laquelle je parle de matériel d'équitation, mais si tu me connais, tu sais que j'ai un sérieux problème d'addiction pour ces choses-là. Et comme je préfère dépenser 50 balles dans un tapis de sel plutôt que dans une séance de psy, ben, on en est là. Mais depuis quelques temps, et surtout depuis le confinement, j'ai l'impression que les gens, de manière générale, pas seulement les cavaliers, se sentent un petit peu plus responsables de ce genre de choses, de leur mode de consommation, de la provenance ou le mode de fabrication des articles qu'ils achètent, de manière générale. Bref, l'éco-responsabilité est au goût du jour et je m'y suis un petit peu intéressée, parce que moi aussi, je me sens concernée. Côté équitation, les premiers à avoir lancé sur le marché un article éco-responsable, c'est Tacant. Initialement, ce sont des tapis de sel colorés avec un design un petit peu particulier. Ceux-là, on ne peut pas les louper. Et quand on s'attarde sur leur site internet, on voit qu'ils annoncent des produits fabriqués en France avec un certain gage d'éco-conception. Alors depuis leur lancement, Tacant ont fait d'autres produits, d'autres modèles de tapis, des flanelles, des articles pour le cavalier, notamment des vestes. Mais accroche-toi bien, un tapis de sel c'est 149 euros. Entre nous, c'est quand même pas donné, mais j'y reviendrai. Ce printemps, une autre marque éco-responsable a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, c'est la marque de pantalons Pangara. Effectivement, quelques influenceuses les ont reçues pour pouvoir les présenter à leurs abonnés et en faire toutes leurs éloges. Ici aussi, je suis allée faire la curieuse et j'ai traîné sur le site internet et ils ont également des promesses d'éco-responsabilité, de fabrication en France, de produits recyclés et recyclables, etc., etc. Le prix de ce pantalon, 199 euros. Alors je veux bien qu'on limite le nombre d'articles qu'on a dans notre sellerie. Mais le minimum, selon moi, quand on est propriétaire d'un cheval, c'est deux tapis pour quand il y en a un qui est au sale, et en tant que cavalier, ben, deux pantalons, même topo. Je fais le calcul, deux tapis Tacant et deux pantalons Pangara, ça fait, accroche-toi bien, le prix que j'ai payé mon poney. Ouais, mais non. Et tu le sais, comme j'aime bien ouvrir ma gueule, oui, je trouve ça trop cher et même limite scandaleux en fait. Parce que c'est envoyé gratos aux influenceuses pour qu'elles en parlent et finalement, les trois quarts de leurs abonnés ne sont pas prêts à mettre ce prix-là et n'en ont clairement pas les moyens. Et dans le contexte actuel où tout le monde effectivement a envie de faire mieux, qu'est-ce qu'on ressent personnellement de la culpabilité? Parce que je n'ai pas les moyens de me payer le luxe, parce qu'à ce prix-là, c'est un luxe, d'un pantalon éco-responsable, et eh bien je me contente du Décathlon fabriqué à l'autre bout du monde, mais quand même, qui coûte bien moins cher. Ce printemps, une autre marque a fait une tentative d'éco-responsabilité en proposant des tapis green, comme ils l'appellent, c'est Harcourt. Pour un petit peu moins de 50 euros, on a un produit en matière recyclée. Le gros point noir, et j'ai creusé la question, j'ai traîné sur les forums, j'ai vraiment cherché à savoir ce que pensaient les gens de ce tapis de sel, c'est que ben, c'est fabriqué en Chine. Et ben ouais, en France, la main d'œuvre est plus chère qu'en Chine, c'est pas un scoop, et du coup, effectivement, on fait venir ces articles-là de l'autre bout du monde. Et pourtant, à 50 balles, et ben on a un tapis qui a un petit peu moins abîmé la planète. D'ailleurs, je crois qu'Harcourt, malgré le fait que ce soit une marque plutôt bien appréciée, a cette tendance à être critiquée pour leur collection France, fabriquée en Chine, encore une fois. Je crois que, entre nous, l'éco-responsabilité est un truc de riche. Enfin, en tout cas, un truc de cavalier riche. T'imagines si les non-cavaliers réagissaient exactement de la même façon? Remettons cette éco-responsabilité soudaine et bénéfique à un autre contexte que celui de l'équitation.
Je suis Madame Tout le Monde, avec des moyens modérés, et pourtant j'ai envie de faire plus attention. Première chose que j'ai faite, c'est que je n'achète plus de vêtements neufs. Je vais plus en boutique pour me dire, tiens, je vais acheter un nouveau t-shirt, je vais acheter un nouveau pantalon neuf. À la limite, je vais faire des essayages pour voir des modèles, les tendances, les tailles qu'il me faut, mais je suis abonnée à Vinted, je n'achète plus que sur Vinted. On pourrait faire en tant que cavalier la même chose pour l'équitation, même si je l'avoue, il y a des articles que je ne recommande absolument pas d'acheter d'occasion, notamment les couvertures, puisqu'on en parlait un petit peu plus tôt, et que d'autres, si on est un petit peu exigeant comme je peux l'être, ne sont tout simplement pas proposés d'occasion, comme certains modèles de tapis de selle ou des collections, etc. Autre chose qui, selon moi, est un petit peu plus responsable que le fait d'acheter des produits de consommation unique, c'est d'aller dans les magasins type Jiffy, La Farfouille, etc. pour acheter des bricoles qui ont été fabriquées en Chine et qui pourtant, si tu les achètes dans ce magasin pour 2 balles, te permettront d'une certaine façon de faire un peu mieux. Par exemple, j'ai acheté des pailles en alu pour 1 euro chez Action, alors que des trucs fabriqués en France, ça m'aurait coûté 10 balles. Ok, 10 balles, c'est pas si cher, mais j'y ai gagné 9 euros, je ne suis pas dupe, je sais où ça a été fabriqué, et pourtant, j'ai plus de paille en plastique. Toujours chez Action, j'ai acheté ceci en plusieurs exemplaires, puisque je m'en sers autant pour moi que pour mon poney. C'est une lingette en microfibre qui, une fois mouillée, te démaquille super bien le visage et qui, une fois qu'on a appliqué un petit peu de produit pour les yeux, débarbouille la frimousse de poney à la perfection. Ça m'a coûté peut-être 1 euro l'unité. C'est fabriqué en Chine, mais en attendant, ça m'évite de racheter des lingettes démaquillantes et des machins Raven là, qui se jettent à chaque utilisation et qui pourtant reçoit l'apologie des cavalières qui portent les pantalons taquantes. C'est exactement la même chose avec les serviettes microfibres qui coûtent 2 euros, qui ont été fabriquées à l'autre bout du monde et qui en attendant me permettent de faire mes cuirs toute l'année sans jamais faire de déchets. Ensuite, sur beauté privée, pour quelques euros également, peut-être 3 euros, j'ai acheté ceci. Ce sont des petits cotons en microfibre également. Il suffit de les mouiller, de les passer sur le visage et ça te démaquille. C'est dans la même matière que la grosse lingette que j'ai montrée tout à l'heure. Et même si ça ne prône pas le Made in France, j'ai fait un geste pour la planète d'une certaine façon. Je me suis même longuement posé la question, ne nous mentons pas, sur Wish ou sur AliExpress, il y a une multitude de ces choses-là qui te coûtent 3 fois rien, même à faire venir par bateau à l'autre bout du monde. Tu les reçois en 3 mois, certes, et là au moins tu sais d'où ça vient. On ne prend pas pour un pigeon sous prétexte que c'est une mode, parce que clairement c'est une mode. C'est bien triste à dire, mais les revendeurs surfent sur la tendance. Et qu'est-ce qui te dit que des pailles en aluminium sur lesquelles il est écrit « Made in France » sont réellement fabriquées en France? Parce que clairement, c'est exactement les mêmes que celles qui sont fabriquées en Chine et qui te coûtent bien moins cher. Alors certes, il y a un acquis de conscience parce que si tu te dis « oui, c'est bon, c'est fabriqué en France », il n'y a pas ce fameux export depuis l'autre bout du monde. Mais ces industries chinoises aussi, je suis désolée de te l'apprendre, mais la Chine vit en majeure partie grâce à l'exportation de leurs articles, de leurs produits, de leur fabrication. Et même si, on va pas se mentir, les usines chinoises ne sont pas ce qu'elles sont en France, faut bien faire vivre un pays également. Je suis bien consciente que je ne vais pas mettre tout le monde d'accord dans cette vidéo, mais je préfère être franche et partager mon expérience par rapport à cette prise de conscience qui n'est pas forcément évidente, parce que pas nécessairement à la portée financière de tout le monde. On en a la preuve avec le matériel d'équitation, mais c'est la même chose dans d'autres domaines, dans le domaine de la beauté, dans le domaine des autres sports que l'équitation. Tout ce qui est éco-responsable coûte un bras. L'enseigne Décathlon s'améliore de plus en plus, que ce soit au rayon équestre avec leurs brosses fabriquées en France notamment. Ils ont d'autres articles fabriqués en France à des prix abordables. On se demande comment ils font parce que oui, ça coûte quand même très cher, mais ne soyez pas dupes et ne soyez pas non plus fermés à tout ce qui existe. Par exemple, la marque Matès est une marque européenne fabriquée en Pologne parce que oui, la Pologne c'est à l'autre bout de l'Europe, mais ça reste l'Union Européenne.
Puisque je parlais de beauté, j'ai également acheté plusieurs éléments qui finalement ont un brin d'éco-responsabilité. La première chose, c'est ceci, je ne m'en passe plus. C'est une pierre d'Alun en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des années que je l'ai, des années que je l'utilise par intermittence avec un déodorant classique, et j'ai décidé de n'utiliser plus que ça parce que finalement il n'y a que ça que, parlons trash, mes aisselles revendiquent, on va dire. Disons qu'avec un déodorant classique, je finis toujours par puer. À croire que mes aisselles s'habituent aux odeurs et aux chimiques que je lui propose. Avec ça, je transpire toujours, ne nous mentons pas, mais je ne pue plus. Et en réalité, j'en ai deux. J'en ai un pour la transpiration et une autre pierre d'Alun que j'utilise sur le visage parce que c'est très bien pour assécher les fameux petits boutons en période d'inconvenance féminine. Autre chose que j'ai acheté, ce sont des savons de la marque NAE, je sais pas comment on dit ça, disponibles en grande surface, en formule vegan, éco-responsable, emballage recyclable, et ce sont des savons en pain, donc qui s'usent théoriquement un petit peu moins vite que des machins liquides. Le premier que j'ai acheté, c'est le shampoing, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le second, c'est ce savon visage solide pour tout type de peau, purifiant. Bref, je l'adore autant que le savon au lait d'Anès de l'île de Ré que j'utilise en alternance. Et celui-ci, c'est donc un shampoing solide qui favorise la réparation des cheveux, sans silicone bien sûr, sans sulfate, sans machin. Entre nous, j'ai eu énormément de mal et j'ai toujours énormément de mal à l'utiliser parce que j'ai les cheveux très longs, ça ne mousse absolument pas, même si c'est à utiliser sur le cuir chevelu, ça mousse très très peu et j'ai un peu de mal avec ça. Donc je l'utilise en alternative avec un autre shampoing. Autre shampoing que voici, c'est la gamme Air Food Papaye de chez Fructis Garni, enfin bref. Pareil, ce sont des articles vegan, recyclables, sans silicone pour un toucher naturel, blablabla. Ça coûte deux fois plus cher qu'un shampoing classique, mais parfois, faut faire des choix. Et pour autant, pour 5 euros, ça ne me coûte pas aussi cher que des shampoings à 10 ou 15 euros, des shampoings de luxe, comme on peut en trouver chez les coiffeurs ou chez les grossistes de coiffure, qui auront les mêmes propriétés, mais peut-être un level juste au-dessus. En bref, tout ça pour dire que l'éco-responsabilité en tant que cavalier, c'est quelque chose de possible, même si la vague d'influence le pousse vers quelque chose d'élitiste, je suis absolument contre et je le clame haut et fort, je n'achèterai jamais ces tapis de selle beaucoup trop chers juste parce que ils donnent bonne conscience, je n'achèterai jamais ce pantalon pour les mêmes raisons. Par contre, j'aurai aucun mal à acheter un pantalon moins cher d'occasion, tout en ayant conscience de leur provenance, de leur mode de fabrication. Mais je suis pour encourager ces marques comme Harcourt, par exemple, qui va proposer un article éco-responsable d'une certaine manière, un article meilleur que ce dont on a l'habitude, mais qui ont dû faire des choix pour proposer un prix alternatif, de le faire importer depuis, certes, l'autre bout du monde, dans des usines peut-être un peu mieux choisies, et qui permettent aux cavaliers lambda ou presque de pouvoir se permettre cette fameuse bonne conscience. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Pour ma part, ça n'a pas été immédiat comme ça d'un coup ou depuis des années, tout simplement parce que justement, pendant longtemps, ça m'a paru plutôt inaccessible, plutôt élitiste. Et vraiment, j'aimerais que cette éco-responsabilité en tant que cavalier ne soit pas réservée aux plus riches ou aux meilleurs d'entre nous, et soit vraiment accessible à tous les cavaliers. Donc si tu as des astuces, mis à part dire ne rien acheter qu'on te bénisse, qui paraît pourtant une évidence, si tu as des tips et des trucs à nous conseiller, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.